Donc qui ramène ça à 2016. On est en haut de la deuxième bosse après 1000 mètres de dénivelé. Kylian en tête. Allez Kylian, allez. Donc, Kylian et Matteo Jacquemou. Allez Matteo, allez. Ah, curieusement, il y a déjà des petits écarts. Donc William Bonmarion, l'enfant du pays. Allez William, allez. Allez Xavier. Xavier Gachet aussi, enfant du pays. Allez Xavier, allez. Et là on a Didier Blanc. Allez Didier, allez. Allez Didier, ça bascule là dans 30 mètres. Alexis, allez. Voilà une des autres équipes favorites dont Michel Mickey, Michel Boscacci avec Robert Antonioli. Allez les gars, allez. Allez les gars. Alors on arrive dans au sommet de la légende du Mirantin, troisième montée. Kylian tout seul devant, juste derrière Xavier Gachet, William Bonmardion, les enfants du pays, d'Arèche, et Matteo Jacquemou en leur talon. Voilà, donc ces deux équipes-là ont l'air bien déterminées et vont pas lâcher. C'est magnifique. Allez Kylian, allez. Allez Xavier, super. Allez Kylian, allez. Kylian qui est Coupe du Monde individuelle, toutes les verticales. Allez Kylian, super. Magnifique. Allez Xavier, super. Allez William, allez William. Super. Matteo, lâche rien, allez. Allez Matteo, allez. Allez Matt, allez. Donc Matteo Jacquemou qui a gagné en 2013, si je dis pas de bêtises, avec William Bonmarion qui est juste devant. Et cette fois, il est associé à Kylian Jornet qui a lui gagné déjà trois fois. Alors on arrive au sommet de la légende du Mirantin, troisième montée. Kylian tout seul devant, juste derrière Xavier Gachet, William Bonmardion, les enfants du pays, d'Arèche, et Matteo Jacquemou en leur talon. Voilà, donc ces deux équipes-là ont l'air bien déterminées et vont pas lâcher. Ah, c'est magnifique. Allez Kylian, allez. Allez Xavier, super. Allez Kylian, allez. Kylian qui Coupe du Monde individuelle, toutes les verticales. Allez Kylian, super. Magnifique. Allez Xavier, super. Allez William, allez William. Super. Matteo, lâche rien, allez. Allez Matteo. Matteo, allez. Allez Matt, allez. Donc Matteo Jacquemou qui a gagné en 2013, si je dis pas de bêtises, avec William Bonmarion qui est juste devant. Et cette fois, il est associé à Kylian Jornet qui a lui gagné déjà trois fois. Ah, nous voilà dans la quatrième montée. C'est William et Xavier qui ont pris les choses en main. Super, allez William, allez Xavier, bravo les gars, allez Xavier, allez Matteo, allez, s'il te plaît, oh. Allez Kylian, allez Matteo, allez Kylian, allez les gars, super, allez les gars, allez Matteo, je dirais une minute, Didier Blanc. Allez Didier.
Bravo les gars, super. Allez les gars. Allez, allez, allez. Allez Alexis, allez. Super ça. Voilà, allez, puis il y a la paire italienne, donc Boscacci Antonioli. Juste derrière. Peut-être 1 minute 30. Allez Mickey. Ils sont dans l'autre, c'est allez, allez. Allez Mickey, allez, allez. Allez, allez, allez. Cinquième montée et dernière. Après, il restera deux petites bosses de 100 mètres. Donc voilà, Kylian et Matteo qui ont pris un bon avantage là. Allez Kylian, allez Kiki, allez, ouais, super, bravo Kylian. Allez, Kylian toujours aussi impressionnant et Matteo vraiment en forme. Allez Matteo, allez c'est beau, bravo. Ah bon, ils ont un bon avantage là, on voit au loin William et Xavier qui arrivent. Bon Mardion, Xavier gâché. Donc William a sorti l'élastique et Xavier a pris le téléski. Ah, ça se termine souvent comme ça les étapes de Pyramid. Allez William, super. Allez, allez William. Allez Xav. Allez, allez. Allez, tiens bon là, vous êtes pas loin. Allez. Sixième et petite dernière montée, non avant-dernière, 100 mètres,
Matteo, ouais, super Matteo. Et Kiki. Allez Kiki, allez, bravo, bravo les gars. Donc je vais y aller juste derrière parce que là ils ont juste une petite descente. On va essayer de les attraper à l'arrivée. A tout de suite. Bravo les gars. Donc Matteo Jacquemou qui vient de journée, premier à l'arrivée, génial, bravo à eux. Pour William et pour Xavier. Ah, Xavier. Il y aura le podium des clubs d'ici. Champion du monde. Allez, les Italiens. Champion d'Europe individuel. Boscacci, Antonioli. Ah, Xavier. Et voilà l'arrivée. Hein? Ça va, ouais. Ça va. Il un peu tard. Ah ouais. Bon, c'est quand même de monter et descendre tout le long au début. Et ouais, c'était un peu gelé. Enfin, j'ai pas assez assisté. Ah ouais. Bon, t'arrivais pas à boire. Et sur la fin, du coup, ouais, j'ai un peu perdu dans la montée. D'accord. En fait, ils nous ont déjà rattrapé là dans la partie technique. La quatrième montée. C'est un peu plus léger. Ah ouais. On voyait même à la fin là dans les traces. Bon, William un peu plus lourd aussi. Ouais. Ça faisait les. Et podium de cette première étape de la Pyramenta. On va aller super fort applaudir avec Kylian et Matteo qui emportent l'étape en 2h35-34. Deuxième place, c'était à 3h38 pour Momadian Gaché. Il termine troisième, Boscas Antonioli avec un écart de 5-07. Bravo! Là, je vous laisse les